à jouer. On rêvait tous d'être ici, maintenant on y est. Par contre, on regarde personne. Les gars, on s'en bat les coups que ça soit pas bien en face. On va jouer notre match, on a un objectif tous en tête, les gars. On peut jouer notre métier aujourd'hui, d'accord? Les premiers duels, les gars, ça va être très 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 important. D'accord? Allez, les gars, on y va, on y croit. D'accord? On y croit tous ensemble, d'accord? Allez, allez, les gars, que les après-midi, on reçoit des messages pour savoir si on est motivé, si on a envie. Là, j'ai déjà quelques personnes qui prennent la route. L'année dernière, c'était pas arrivé, donc c'est qu'on a hâte d'être à ce match-là, de commencer la saison, même de retrouver les supporters au stade de l'Aube. Dans le grand bain tout de suite, ouais, c'est sûr, c'est tout de suite en attaque par le gros. Malheureusement, bon, ils avaient des absents, on aurait aimé jouer contre toute l'équipe, mais là, on se met direct au niveau de la Ligue 1 et au niveau du champion, donc c'était une belle expérience et je pense qu'on peut être fier de notre match malgré la défaite qui était frustrante. C'est ce premier match, forcément c'est pas facile, mais on voit aussi l'opportunité de faire un bon match, de prendre des points. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais je pense qu'on avait réalisé une bonne performance quand même dans l'ensemble ce premier match, et ça nous a donné confiance pour la suite, de nous dire qu'on peut rivaliser avec des équipes de Ligue 1. Après, la saison était encore longue à cette époque-là, mais parfois commencer par un gros, c'est pas forcément une mauvaise chose. Du championnat contre Paris, mais ce premier but c'est exceptionnel, surtout que je revenais de blessure d'assez longue durée et que j'avais fait qu'une mi-temps durant les matchs de préparation, donc c'est pour ça que ma joie est démesurée sur ce but, parce que c'est l'accumulation de plein de choses qui ont fait que j'étais très 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 heureux. Je pense que dans le jeu, du moins sur ce match, on n'a pas eu à rougir, on s'est créé pas mal d'occasions, après on est tombé sur un grand gardien et voilà, malheureusement, on n'était pas loin de faire un exploit, mais il y a de bonnes choses et il faudra capitaliser là-dessus pour le reste de la saison, garder cet état d'esprit. Il ne faut pas oublier qu'en face, c'était Paris et voilà, il y a quand même beaucoup d'écart et même si aujourd'hui, ils étaient prenables, c'est dommage parce qu'on rentre avec zéro point. Il n'y a pas à rougir, ouais, franchement. Ouais. Merci. Merci, Renaud. Thank you.
Sentiment à quelques heures de rencontrer Clermont, bonne prestation contre le PSG, le but c'est maintenant prendre des points quoi. Ouais, bonne prestation la semaine dernière, c'est vrai qu'on était plutôt satisfait du match. Maintenant on n'a pas pris de points, et c'est ce qui compte malheureusement dans le football. Donc on a hâte de rejouer cet après-midi pour ouvrir notre compteur. Avec que le mois d'août allait être compliqué, vu qu'on recevait PSG et Monaco et on se déplaçait deux fois. Malgré tout, on aurait aimé prendre plus de points. Maintenant, forcément, il y a eu de la déception après ce mois d'août, des doutes, je sais pas. C'est frustrant encore une fois parce que on fait une bonne entame de match, on se crée quelques situations. On se tire une balle dans les pieds tout seul avec ce carton rouge. Déjà quand on se contre 11 avec cette chaleur, c'était pas facile de faire des efforts. Il faut apprendre de ses erreurs. Et voilà, il va falloir se remettre vite la tête à l'endroit et aller chercher des points très rapidement et se mettre vite au niveau de la Ligue 1 parce que quand on fait des erreurs, ben, ça pardonne pas. Non, il n'y a pas eu de gros doutes parce qu'un championnat c'est un long marathon, c'est pas un sprint sur quelques matchs. Donc forcément, on avait pas forcément raté notre début, mais on a eu des matchs très compliqués quand même. Tu joues le PSG, tu joues Strasbourg, tu joues Monaco, enfin, tu jouais quand même de belles équipes. Voilà, il a fallu aussi s'adapter à ce championnat de Ligue 1 parce qu'il y avait des joueurs qui, comme moi qui n'avaient jamais joué en Ligue 1. Il a fallu trouver certains repères, il a fallu apprendre. Et je pense qu'on a quand même appris rapidement. Et ça a été très intéressant. C'est vrai qu'on a eu un début de championnat difficile. C'était pas facile pour nos débuts en Ligue 1, mais ensuite on a bien redressé la barre à Strasbourg. C'était un beau match. On peut même gagner, on prend un but à la fin, mais je pense que ça, tout a commencé de là, bien sûr. Cette saison n'a pas été facile, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais on a su se relever des épreuves et chaque fois on l'a fait ensemble. Donc c'est cette stabilité, je pense, qui nous a amené à cette force de se relever des différents pépins, des différentes épreuves qui se sont mises face à nous. En Ligue 1, ce qui est des fois un peu compliqué, c'est d'avoir ce déclic. Vous faites toujours un petit pas. Voilà, vous avez l'impression d'aller plus vite en soutien. Droit au sol. Voilà. Allez. Oui. Oui. Voilà. Bien. Bravo. En Ligue 1, ce qui est des fois un peu compliqué, c'est d'avoir ce déclic, de gagner ce premier match qui fait que tu as un peu de confiance pour la suite, que tu puisses installer justement une forme de sérénité pour aborder les autres matchs. Et je pense que ce match a été un tournant déjà par rapport même à Metz.
On avait besoin de ça. Bon, discret. On est parti à chercher, on l'a construit ce match, on l'a construit. Allez. Quel choix, Djigomé. Oh, quel joueur. Quelle passe. Contre Nice. C'était un match difficile et on a réussi à faire le bon résultat ici à la maison. On peut avoir la confiance pour enchaîner le match et ça nous fait du bien de gagner des matchs. Enfin, ça fait du bien celle-là. Je vais vous chanter Booba, Neuf de Yveron, je change un peu de thème. C'est autre chose. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dollars. J'ai mis la queue au Ritz, ni au McDonald's. Si c'est eux qui ont raison, je ne suis pas raisonnable. Oui, c'est vrai que gagner les deux derbies cette saison, ça nous a fait beaucoup de bien parce que déjà c'était 6 points, donc forcément sur le plan comptable, ça nous a tenu à flot, on va dire. Et puis en plus de ça, comme tu l'as dit, pour les supporters, pour la ville, même pour la région, le fait de nous imposer, c'était quelque chose. Et oui, c'est vrai que ça crée beaucoup d'émotions parce que c'est un derby, c'est toujours particulier. On peut dire ce qu'on veut, mais ce n'est pas un match comme un autre. Ça nous a fait vraiment quelque chose de spécial. Voir le parkage là-bas qui était en feu pendant et après le match, c'était top. Et au retour, le stade nous a vraiment poussé et voilà, voir les Rémois déçus, nous heureux, c'était bien, c'était une bonne sensation.
Chico et Gypsy, je te promets, reprise de Johnny Hallyday. Si vous connaissez, n'hésitez pas à m'accompagner. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Je te promets ma vie de mes rires à mes larmes. Je te promets le feu à la place des âmes. Jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets le corps différent que les autres. Les gars, quoi, il y a du budget. Hein. Tu sais que j'ai toujours pensé que c'était bidon, ça. C'était... Ah, non, 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 hein, parce que là, le son, il est là, et on va mettre le son sur ça après. Donc, en fait, okay, pratique. Bah, j'ai été super bien accueilli par tout le monde, que ce soit les joueurs, le staff, voilà, les administratifs, hein, tout le monde. Donc ça, c'était un sentiment, c'était un super sentiment. Après, j'ai pris mes marques petit à petit, et voilà, tout s'est pas passé peut-être comme prévu, mais j'aurais aimé faire un peu plus cette saison. Mais voilà, c'est comme ça, je suis très bien intégré dans le vestiaire, je me sens très bien ici, et je suis très heureux qu'on ait réussi à collectivement cet objectif. On a souhaité faire un bilan de mi-saison avec Laurent, avec les actionnaires, avec François. Et dans ce cadre-là, on a pris nos responsabilités de chaque côté et on a décidé de se séparer. C'est chouette, hein ? Moi, mon objectif, c'est de performer. Et qui dit performer, dit aller chercher ce maintien le plus rapidement possible. S'il intervient à la dernière journée, ça me plaît, ça m'ira aussi. On sortait d'une série négative et on a fait une belle performance là-bas, je pense. Malgré bon, le rouge nous a facilité la tâche, mais je pense qu'on méritait de gagner et ça a été un bon match pour toute l'équipe. Forcément, c'est dur parce que tu fais deux grosses défaites. On est un petit peu dans un tournant de la saison où tu te dis que voilà, maintenant, il ne va plus rester grand-chose.
qu'il faut prendre des points. Mentalement, on va pas se mentir, hein, on était tous un petit peu dans le dur. Je trouve que mes joueurs n'ont pas failli mentalement. Je suis quelqu'un d'optimiste et je suis quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. Il y a l'envie, le cœur, les duels. On parle de duels, alors c'est un peu à l'ancienne. Mais voilà, quand on veut se maintenir, on doit gagner plus de duels sur le terrain. Je pense qu'avec le recul, c'est une période qui nous a aidés parce qu'on a su aussi se remettre en question, voir se dire les choses, voir ce qui n'allait pas, ce qu'on pouvait améliorer nous, ce qu'on pouvait améliorer avec le staff. Et puis on s'est rendu compte sur ces trois derniers mois que voilà, ça a payé et on a réussi tous ensemble et ça c'est super. Aussi important de pas lâcher à ce moment-là et de pas tomber dans c'est la faute à un tel. Voilà, l'essentiel c'est qu'on a réagi derrière et que voilà, on est allé chercher les points qu'il fallait. Pas dans le montage ça. Julian, tu restes là. Juste. Dylan, tu peux mettre des centres dans sa zone à lui. Tu vois, il va être dans la zone défensive. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Julian. Juste, il met 4-5 ballons. Juste sur eux. Vas-y. Voilà, c'est ça. Donc après, ton but. Le truc parfait, c'est là-bas. Parce qu'en fait, tu as Johan qui est là-bas. Le truc parfait, c'est là-bas. Le truc où tu la sens pas trop, c'est tu la touches à peine qu'elle aille là-bas. Ça me va, Julien. Mais c'est juste là, il faut vraiment qu'on t'entende, que eux sachent que c'est toi qui es là dans cette zone. Il n'y a personne d'autre. Si je peux l'entraîner, il a fait 3 touches. Attends. On l'a mis là-bas. Vas-y. On regarde. Ça tremble pas. Ça. Vas-y, plonge pas, Sept, casse pas les couilles. Ah, mais je pense que j'avais oublié. Tu devrais pousser un peu plus, Seb. Ah, c'est de la faute du terrain. Ah oui. Ah, je la prends une, s'il te plaît, yo. J'en fais une seule. Jou, Seb. Sans les mains. Ouais. Je sais pas sur moi. Ah non, mais vas-y. Au sort. Si, tu sais pas tirer, ouais. T'en fous, hey, tu sais quoi, tire. Même au sol, c'est pas grave, tirer là. T'en fous, tire. Ouais, vas-y, pointe. Vas-y, pointe. Il est meilleur au point, laisse se pointer. Ah, c'est bon, équilibré, j'ai tiré déjà. Tu vas se mettre, Richard. Oh, bien joué. Oh, tu es génie. Ah, Romy, lui aussi, il est né dans la calée. Au moins une dans la soirée. Tu l'avais dans la boîte, c'est ça, la brise? Non, je l'ai pas. C'est là, je l'ai. Et là. Ah, mais vas-y. Ah, j'arrive pas ce soir. Que rater les boules. Marre, moi. Le déclic, c'est Marseille à domicile. Le match de Marseille, c'est après ce match de Marseille, le nul, qui nous a motivés tous qu'on peut faire quelque chose dans ce championnat et maintenir le club. Parce que c'était compliqué juste avant, parce que aussi on a pris les choses en main. Tu vois, on a pris les choses en main sur le terrain, on s'est mis les tripes par terre et même dans le jeu, on a été je pense, attrayant.
On était conquérants devant notre public, on n'a rien lâché, on a fait un, à mon sens un super match et puis on a mérité cette égalisation en fin de match qui a encore donné un côté encore plus épique au match. Marque ce but à la 90e. Donc je pense que là, ça a été un déclic parce qu'on s'est dit qu'on pouvait accrocher n'importe quelle équipe chez nous. Et à partir de ce match-là, moi, j'ai automatiquement su qu'on allait se maintenir. Si tu perds ce match-là, est-ce que la suite est la même? Je ne sais pas. Mais là, en tout cas, ça a donné un gain de confiance énorme à l'équipe pour pouvoir enchaîner. Et c'est à ce moment-là où on a fait notre meilleure série. Et c'est ce qui a permis de nous maintenir clairement. Oui, Adil Rami qui s'offre un presque tour d'honneur. Enfin, comme d'habitude, je remercie les supporters. Surtout quand il y a ce joli point à la clé, je suppose. Là, celui-là, il vaut cher. Bah, en fait, c'est plus qu'un point pour nous aujourd'hui, c'est limite une victoire. Parce qu'on sort de deux matchs où on prend deux grosses gifles. On avait perdu une âme. Et le sport, c'est bon pour ça, c'est que justement, dans ces moments-là, on a réussi à faire preuve de caractère. On aurait pu baisser les bras, baisser la tête. On voit que derrière, dans notre mini-championnat, ils sont là, ils lâchent pas non plus. Donc ce soir, on a montré qu'on n'était pas mort. Et le plus important, c'est de garder le cap. Donc on va discuter encore dans le vestiaire pour se dire les choses encore une fois. C'est-à-dire qu'il faut garder cet état d'esprit. Combattre. Même en prenant ce magnifique point, carrément, mais il faut encore parler derrière. Maintenant, il nous reste 12 matchs. 12 finales, moi il est hors de question pour moi d'être dans un groupe où on va dire en partie je fais partie d'une descente en Ligue 2. Ils comptent sur moi, les supporters, la ville, le club. Et voilà, ce qui est bien, c'est qu'on a un groupe avec du caractère, des bons mecs, des bonnes ondes. Et ça, il faut pas le perdre. Voilà. Bonne continuation. Merci. Après ce qui va se passer, voilà, il veut pas regarder là-bas. Non, moi j'aime Pénat, hein. Moi aussi. Moi j'aime bien. On arrive pas, Matador. Entendu. Harry Potter, classique. Tu les refais? Je me les fais pour la première fois. On me les a conseillés. Génial. Alors, tu penses quoi? Vraiment bien. Vraiment bien. Mieux que les films. Autant de benzine. Ok. Juste pour vous mettre un peu dans l'ambiance qu'il va y avoir, notre vie en Ligue 1, elle est là. Elle n'est pas la dernière journée, elle n'est pas... C'est maintenant. C'est maintenant notre vie en Ligue 1. Et ça doit se voir sur le terrain. Ouais, si on a besoin d'aller chercher, on va être ensemble, on va chercher. C'est comme ça que vous êtes dangereux. C'est comme ça que vous avez bougé Marseille sur la fin. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc oui, on va jouer notre vie en Ligue 1. On ne se voyait pas plus mauvais que certaines équipes et on a pris conscience qu'on pouvait le faire. Et sur la phase retour, on a eu des périodes un peu plus compliquées. Et c'est ce qui nous a rendu, cette fois même là, vraiment encore plus sûr de pouvoir le faire. Parce que là, on a pris tous conscience de certaines choses. Et on a mouillé le maillot, on s'est mis le cul par terre. Désolé d'être vulgaire, mais pour réaliser cet objectif. Et on l'a fait.
Après un an, 7 mois, un an, 8 mois, c'est pas de galère. Et c'était vraiment pas facile pour moi. Et le but, j'ai marqué contre Bordeaux, penalty. Là, j'ai fait penalty. C'était vraiment magnifique. Le but, c'était pour tout le monde qui m'a aidé. Quand tu fais des séries comme ça positives, c'est vrai que tu mets non seulement tu prends de la confiance, mais tu mets aussi un coup sur la tête des autres équipes parce que ben, forcément tu perds plus de voilà, quand tu es en bas du tableau, tu perds plus de matchs que tu en gagnes. Donc faut savoir quand tu arrives à enchaîner voilà, 2-3 victoires d'affilée, c'est toujours bénéfique pour tout le monde. Dans le football, il y a des statistiques, mais voilà, c'est aussi l'histoire d'un groupe et la saison elle n'est jamais écrite à l'avance. Viens, tape. Un peu d'eau. Un peu d'eau parce que c'était dur. À la vôtre. Hop là. Oh, ça fait du bien ça là. Là, ce qu'on fait, c'est bien, mais c'est pas assez. Il en manque. Il en manque encore un peu. C'est dur ce qu'on nous demande toutes les semaines, de se remettre dedans mentalement, physiquement, c'est dur les gars. Mais la vie de ma mère, ça vaut le coup de fou les gars. Oh, moi j'ai envie que dans un mois et demi, là, on se regarde tous dans les yeux, qu'on ait tous la banane et qu'on se fasse une putain de teuf là. Parce que c'est important, c'est ça les gars. On joue au foot pour quoi les gars? Pour des émotions. Pour vivre des émotions. Et j'ai envie que dans un mois et demi, on vive des putains d'émotions. Mais c'est dur, il en reste encore. Et on va le faire. Et on va le faire. Et quand c'est dur, ça sera dur aujourd'hui sur le terrain. Pensez à ça les gars. On avait à cœur de remporter, on l'a fait à l'aller, on voulait le faire au retour aussi et de poursuivre notre série aussi. Et voilà, c'est chose faite et on était contents, on a bien fêté ça avec le public, tout ça, et ça s'est bien passé. La victoire à son équipe comme ça, à la 90e en plus dans un derby, c'est super de voir tout le stade debout. C'était vraiment un bon moment et surtout que ça a été un peu, je pense, une journée charnière pour nous parce que, si je me rappelle bien, en même temps, tous nos adversaires directs, ils font des défaites et donc on prend un petit matelas d'avance. Donc ça, c'est vrai que ça faisait, c'était le bonus de ce derby. Hein. Capitaine de la Champagne, capitaine de la Champagne, capitaine de la Champagne. Oh, capitaine de la Champagne. Capitaine de la Champagne.
aimé. Qui vient celle-là? Ah, les gars. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chutés. Ça fait du bien, hein. Capital. La Champagne. Yes. Capital de la Champagne. Capital. Ils m'ont mis tout nu. Désolé, je peux plus montrer le logo. Ils m'ont mis tout nu. Plus de voix. Plus rien. Oh, Scotty. C'est bien. On est chez nous, pas. Il a mis un coup de fer 7 là. Ah ouais. Le pire, c'est qu'il a fait son temps, il a pas paniqué. Fer 7. Aujourd'hui, d'accord? Les premiers duels, les gars, ça va être très 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 important, d'accord? Allez les gars, on y va, on y croit, d'accord? On y croit tous ensemble, d'accord? Allez les gars, allez Tico, là tu vas les marquer. C'est ton match aujourd'hui, yo! Match le plus marquant déjà que j'ai joué de la saison, c'est d'aller faire 2-2 à Paris. C'est le point qui nous permet de vivre les deux derniers matchs vraiment sereinement et de prendre du plaisir, d'être en communion avec nos supporters.
C'était quelque chose de voir ce groupe aller chercher un point à Paris. On a été emmené 2-0 rapidement. Voilà, il y en a beaucoup qui ont dû aller sur internet et parier sur un 5 ou 6-0 à la fin du match. Donc même si c'était pas le grand Paris, il y avait quand même des sacrés joueurs en face et on a fait preuve de courage. Parce que quand tu es mené 2-0 au Parc au bout de 20 minutes, c'est compliqué. C'est pas le meilleur début de match qu'on puisse faire, mais je pense que on a retrouvé sur ce match tout l'état d'esprit de ce groupe, c'est-à-dire de rien lâcher, d'être toujours le collectif en premier. Et on a donné beaucoup, on a fait beaucoup d'efforts. Préféré, c'était contre Paris. Je crois que c'était une bonne occasion pour l'équipe aussi. C'est pour ça que je vais dire que celui-là, c'est mon meilleur but. Tu fais une fois, deux fois pour toi, après. C'est bien d'être calme. Ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le jeu de la babale. Ne tombez pas dans le jeu que eux font. Vous avez vu, je prends le ballon, avance avec. Je ne course pas. Vous avancez, vous créez un décalage. Ça oui, mais jouez vers l'avant. Parce que ces 5 mètres là, ils vont venir immédiatement, ils viennent. Vous le voyez. Vous allez voir, on va souffrir 45, ils vont baisser. N'hésitez pas, quand vous prenez, conduisez, je vous dis de conduire parce que les lâches derrière. Vous prenez, vous conduisez, vous continuez. On met un peu plus d'impact. Vous allez les avoir. On est calme. Mais on a envie, on est déterminé, on n'est pas loin, donc on reste déterminé. Allez, ouais, allez, 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 allez. Allez, on croit, les gars, je sais pas, on fait arrêter les gars, c'est une casse, les gars. Allez, gars, regarde la pec sur la deuxième, hein. En fond, allez, c'est une belle soirée parce que je marque et on perd pas et je pense que je vais faire plaisir à tous mes collègues sudistes, toute ma famille. Je l'avais annoncé à ma mère, à mon frère avant le match. Je me suis pas posé de questions, je me suis dit je l'attends, c'est rentré, tant mieux pour moi. Et en plus, c'est le but égalisateur, donc c'est une très belle soirée personnellement et collectivement aussi. Yeah!
je montre à la France que Messi va jamais me rattraper. Ah, volé, volé. En une. Ah non. Waouh! Waouh! Aïe, aïe, aïe! Ouais! T'es chaud, Rami! Ouais! Je crois que tu mets ça quand même. Non, je fais rien du tout là. Oh! Aujourd'hui, je crois qu'on n'arrive pas très bien à s'en rendre compte qu'aujourd'hui, à Troyes, quand bien même c'est une petite ville, un petit club, on va dire aujourd'hui, mais c'est un club qui a des ambitions. Et ça, ça a de la valeur. Moi, je sais que ce club-là, si on arrive à se maintenir avec les ambitions qu'on a, en tout cas avec City Group, avec les joueurs, avec cette ville, j'en suis sûr qu'on peut, on peut créer et faire partie d'un début, d'une magnifique histoire, d'une nouvelle ère. Que les stacks ne s'étaient pas maintenus en Ligue 1 après y être monté. Et cette année, on a réussi à se maintenir avec du bon jeu, du beau jeu et du jeu efficace aussi. Se maintenir après tant d'années d'échecs, c'est une grande satisfaction pour nous tous. Donc on est fiers, on est contents, c'était l'objectif du début de saison. Ça nous tenait vraiment, vraiment tous à cœur de faire partie de cette aventure et de faire partie de cet objectif en fait, de maintenir le club après tant d'années. C'est un ensemble qui se maintient et je pense que chacun a œuvré pour ce maintien. C'est des choses qui n'ont pas de prix durant une carrière, ce type de souvenirs c'est extraordinaire et d'avoir pu participer à ces événements, c'est voilà, pour nous en tant que joueurs c'est... C'est exceptionnel, c'est très bien. On l'a fait. On est maintenu. Ça fait 15 ans, ça c'est un cadeau. C'est un cadeau, voilà. Maintenant on profite. Ah, on va boire un coup après, t'inquiète pas. On l'a fait. C'est ça. Bah, c'est bien, on l'a fait, c'est l'objectif. Après on voulait finir en beauté, c'est dommage, mais... Voilà, on peut être fier de ce qu'on a montré, fier du groupe, fier de... Quand tu vois tout ça, Instagram rempli comme ça, c'est... Tu vois qu'on l'a fait tous ensemble, c'est pas que 11 joueurs ou 15 joueurs, c'est tous ensemble. Voilà, c'est mérité qu'on soit là la saison prochaine. Ces garçons le méritent. On a fait le boulot, c'est ça qui est bon. Ici c'est Troyes. Ici c'est Troyes. Qui veut s'en faire? Il n'est pas trop là.
le supporter que je suis, c'est une immense joie. On a beaucoup souffert des montées et des descentes, même si on avait une très grande fierté. On avait un espoir. Cet espoir, il s'est concrétisé avec des changements, avec, je trouve, un staff, un président, un coach. Et fait que l'addition de tout ça a créé un collectif qui a été un collectif de guerriers, un collectif de gens qui ont eu envie de mouiller le maillot. Ils ont compris que la ville était derrière eux et y être parvenus avant la dernière journée. Pour Troyes, c'est formidable. C'est pour ça qu'on les reçoit ici à l'Hôtel de Ville. Le maintien d'un club comme le nôtre en Ligue 1, c'est comme une montée. C'était difficile, c'est tellement difficile de prendre des points dans ce championnat. Et donc c'est un événement important. Et je trouve que l'année prochaine, il y a évidemment le projet sportif du maintien, mais il y a aussi constitué un vrai public. Et Troyes, il y a un public, il ne demande que ça de se réveiller. Et je pense qu'il n'attendait que la possibilité de s'enthousiasmer grâce à ce maintien. Donc c'est ça qu'il faut écrire l'année prochaine. On a vu pendant l'année bah, des moments intéressants, des moments de joie, des moments difficiles. Mais quand il a fallu être tous ensemble, faire front, combattre, l'équipe a répondu présent, le staff a répondu présent et c'est pour ça que ça reste une grande fierté. Ouais. Ouais, je pense qu'il faut les féliciter, tout le travail qui a été fait au quotidien, mais par l'ensemble du club, parce que même si malheureusement contre Lens, on n'a pas eu le résultat escompté, Il y avait du public, il y avait des choses, il y avait de la passion entre les joueurs, le staff, le public. Et quelque part, c'est ce qu'on aime et c'est un peu la résultante de la saison. C'est pour ça que ça reste une grande fierté. Ouais. On a atteint l'objectif et je pense que c'est tout un club, de l'association, des jeunes, les administratifs, les joueurs, l'encadrement et bien sûr les actionnaires qui nous ont soutenus. Tout au long de la saison, c'était une saison difficile. On a eu des bons moments, on a eu des moments difficiles. À la fin, ce qu'on va retenir, c'est qu'on se maintient. Donc on est super content. On s'est accroché, il y a eu de la résilience. Et la résilience, c'est un mot important. La résilience, on l'a vu, le mental des joueurs. C'est tout l'environnement autour et du club qui a soutenu le club. Bien entendu aussi les collectivités. On voit Monsieur le maire qui nous reçoit aujourd'hui. Et derrière, ça a permis d'aller chercher le maintien. Et je pense qu'on a été chercher le maintien en plus au Parc des Princes sur un match qui résume bien la saison. C'est-à-dire qu'on a joué avec notre cœur et on a réussi à aller chercher, perdre 2-0 au Parc des Princes et revenir à 2-2. Je pense que c'est pour Troyes, c'est du domaine de l'exploit. On le ressentait au sein de l'équipe, du vestiaire, que c'était quelque chose qui était attendu quand même. Et où il y avait une certaine impatience aussi là-dessus, et que, enfin ouais, une certaine lassitude plutôt de faire l'ascenseur. Donc c'est top pour tout le monde, pour la ville, pour le groupe, mais aussi pour le club et les salariés. Chaque match, on pensait à ça, le maintien. On se le rabâchait sans cesse entre nous. Mais c'est vrai qu'on sent que depuis que c'est acté, il y a eu vraiment une délivrance. Au-delà du club, même dans toute la ville, dans tout le département. Donc on a apporté de la joie à tout le monde et ça c'est super. Et j'ai vu les gens comment ils étaient contents et c'était magnifique. Ouais, c'est une réelle fierté que ça soit individuel, collectif et pour la ville, pour les supporters, pour tout le monde, pour nos familles. C'est vraiment quelque chose de très beau et très fort. Hein.